cserek Fülkortól. Ugye az Inter játékosa Vasco, ott van még egy gól! Gól! Juhász Roland! Megvan a gól! A bal felsőbe! Megvan az egyenlítő gól! Ezt nagyon megérdemeltük! Egy perccel azután, hogy Leandro kihagyta a nagy helyzetet! Le Jard derrière ce coup de coin rentre. Oh, le goal! Le goal, regardez qui vient mettre sa tête. C'est le capitaine Juhász qui remet les équipes à égalité. 36 minutes de jeu. Anderlecht frappe exactement sur la fragilité des Gantois. C'est le 9e goal que Gant encaisse sur corner. C'est un record en D1. Et regardez ici, entre Koulibaly et Theis, qui sont plus grands que lui en théorie, Juhász vient mettre sa tête. Un but partout. Proto est monté. Vous l'avez vu, la tête, le but, c'est Roland Juhász, l'égalisation, un but partout, le Sporting d'Anderlecht arrache in extremis, une unité précieuse, on dit beaucoup de quoi, il est battu. Roland Juhász, c'est pas son premier évidemment, sur des phases arrêtées, il monte à chaque fois, c'est son troisième depuis le début de saison. Et bien voilà le brevet d'invincibilité à domicile du Sporting d'Anderlecht depuis 20 matchs. Est préservé, le suspense dans le championnat aussi, puisque maintenant les deux équipes continuent évidemment à totaliser le même nombre de points, c'est-à-dire 61. Et pire que jusqu'il y a quelques secondes. Attention à ce ballon qui est repris dans le goal. But inscrit par Juhász qui était monté. On va revoir, ce ballon est donné par Boussoufa, un assist de plus. Et regardez l'absence totale de marquage. Nog een hoekschop, helemaal aan het eind van deze eerste helft. Voor Roland Juhász op 2-0. Juhász aan de tweede paal. En dan is die score toch een beetje een betere weergave van de verhoudingen op het veld. Want Anderlecht heeft Kortrijk echt wel weggezet. In deze eerste 45 minuten 4-5 hele goede kansen waren er geweest, maar even de van de free kick van de Kanu. Kanu kan het put Ilic under pressure and the ball has been swept in by Juhász. Anderlecht hitting back almost immediately.